Et eh bien salut à tous les petits potes et bienvenue dans l'épisode 8 de Pokémon, le let's play Ultra Lune. On était donc avant d'aller voir le doyen pour faire le fameux combat contre le doyen. Donc nous sommes à Lilii avec Euphorbe et notre ami Lily. Je crois que tu y mets tout en homme comme moi quand je surfe sur une belle vague. Je te tire mon chapeau. Je ne suis pas dresseuse mais je dois bien avouer que avoir été impressionné. Piou! Ça va pas être de la tarte de battre Pectorius, le doyen de Mêlée Mêlée. C'est LE spécialiste des Pokémon de type combat. Si tu veux avoir une chance contre lui, mise sur les capacités de type Vol ou Psy. Parfait. Parfait, complètement parfait. On va jouer avec Cornèbre. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Lors de ce let's play, on l'a pas vraiment vu se battre, donc Cornette. On va lui donner de ce pas, du coup, une... non. Voilà. On va lui donner une B. Lui donner. Voilà. Donc on lui donne... Attendez. Juste, je veux voir les attaques de Cornèbre. Résumé. Donc non, tu n'as pas d'attaque normale, donc ça ne sert complètement à rien de te donner l'attaque Z normale. Voilà. Alors, ensuite, sac. On va juste vite fait se préparer avec la Normazélite pour... Vados qui pourrait être très utile. Voilà. Le move Z sur Vados a été placé. Non. On va en mettre un sur notre ami Zero. Qui a je crois une attaque mais je ne suis pas sûr. Il faut vérifier, attendez. Je vérifie hein, parce que tant il en a pas notre petit Zero et du coup c'est pas cool. Ouais il a Etren Z quoi. Ok. Eh bien écoutez les potes, c'est parti. Nos Pokémon ne sont pas soignés, j'espère qu'ils vont être soignés. Avec plaisir. Oh, c'est parti. Parfait. On va commencer, on start donc du coup avec Rocabo, c'est pas une bonne idée mais... après on switchera de toute façon sur... sur notre cher ami Cornèbre. Mais trêve de formalité, place à l'ultime épreuve de Mêlée Mêlée, un combat Pokémon contre le doyen de l'île, c'est-à-dire moi. C'est ce qu'on appelle la grande épreuve. A nous deux, mon petit Zampil. Toi à qui Tokoriko a remis une gemme lumière, ton partenaire Rocabo et toute ton équipe, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Et je vous montrerai pourquoi on me surnomme la terreur de Mêlée Mêlée. Cette épreuve sera musclée ou ne sera pas. Et c'est parti pour le petit combat. Et on dirait un Ariama le mec quand il fait son entrée en match. C'est trop classe. Il envoie Machoke. 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 Si, ils sont tous full vie en fait. Attendez. Pokémon, je check ça. Ouais, ils ont tous été mis full vie. Alors, ce qu'on va faire. Force Z. Et traîne. On va essayer de se battre un peu avec Rocabo quand même. Voilà. Nous fait une vendetta. C'est compliqué. Voilà. Alors, juste, on est d'accord que j'ai augmenté toutes mes stats de 1. Je vais lui faire une attaque Croéclair. Il nous refait une vendetta, c'est dommage, je voulais en fait le paralyser. Tant pis, je suis désolé, Zéro, je vais te réanimer de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Puisque Narcotte, ça va être à toi de jouer, vu que tu es Ténèbres Vol. Ah mince. Je crois que combat, c'est super, on verra. Sac. C'est quoi ça? Ouais, on va utiliser ça. Motiz Mora activé. Alors on va voir avec sa vendetta. Ah oui quand même. Déconne pas le Pokémon hein. Déconne vraiment pas. Cruel. Nous non plus on déconne pas. Hein. Petite cruelle à coup critique. Au calme. Massy qui passe niveau 17, ça c'est cool. Makuita, non, on ne changera pas de Pokémon puisque de toute façon on est boosté.
Alors, sac. On va se soigner avec une eau fraîche. Alors, va-t-il faire puissance ou quelque chose comme ça? Bluff, très bien. Ah, quand même, bluff, ça fait un peu de dégâts. Hein. Ensuite, on va faire le rappel sur notre copain Zéro, n'est-ce pas? Il utilise cogne. Ah, 4 PV quand même. Hein. Touché 4 fois. C'est bon, on devrait encaisser un deuxième coup logiquement sans aucun problème. Cruel, c'est parti. Corneb, t'es trop puissant. Corneb, you are so... powerful, pardon. Et donc là, il nous envoie son Krabagar. Krabagar qui est au combat, si j'ai pas de conneries, ou peut-être juste que combat. Mais c'est pas grave, on va réutiliser une attaque cruelle. Il nous utilise gros yeux. Et je pense qu'on peut dire que nous avons gagné les poteaux. Le combat avec, du coup, Narcotte. Et regarde-moi ça. Boum. Deux cruels pour le dernier Pokémon. Écoutez, c'était plutôt bien, hein, je pense. Narcotte qui passe niveau 18, du coup. Ota niveau 19. Parfait. Et qui veut prendre encore. Non, 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 on va pas faire encore. Et on a vaincu Pectorius, l'homme qui avait du pec. Il est mort de l'air peu cher. Ouf. Ta victoire ne doit rien au hasard. Tu es sans conteste un excellent dresseur avec d'excellents Pokémon. Tocorico. Ah, on dirait que Tocorico est d'accord avec moi. Je parie qu'il bout d'impatience de vous affronter quand vous serez devenu plus fort tes Pokémon et toi. Tiens, prends ce cristal Z. Il te permettra de transmettre ta force à tes Pokémon. Cristal Z, combat débloqué. Parfait. Complètement parfait. Voilà, c'est génial. On a enfin débloqué du coup ce petit cristal Z qui est la combat zélite. Qui on devrait peut-être mettre, je pense, sur. Quand on aura une attaque sur donc Vados ou Lockpin, du coup. Quand Vados évoluera en Lockpin. Pour déglinguer, parce que Lockpin est trop puissante. Ouais. Un jour tu reverras ton Rico, je le sais. Oh, c'est un autre petit copain Tauros. Tout doux, Tauros, tout doux. Eh, hey, je viens d'avoir une idée. Que dirais-tu d'utiliser ce bon vieux Tauros comme monture? Tu lui rendrais service, il n'a qu'une envie, c'est de faire le tour des îles lui aussi. Ross. Tu vois? Allez, c'est décidé, prends cet équipement et Ansel. Et Gretel. Pardon. Et nous avons obtenu l'appel monture. Vas-y mon petit bonhomme, grimpe lui dessus pour voir. J'espère qu'ils nous ont changé la tenue s'il vous plaît. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, toujours aussi ridicule. Toujours aussi ridicule là. Oh, elle passe un peu mieux je crois. Bon ça je sais comment ça fonctionne. Allez. Félicitations, Zanpil. Ah, Alti. Ouais, je l'appelle Alti. J'ai pas envie de l'appeler Alteo. Alti, c'est bien. Sans rire, depuis que je t'ai rencontré à l'école de dresseur, tu continues de m'ébouriffer. La force Z est vraiment impressionnante, n'est-ce pas? T'as déjà pensé à faire un tour au studio photo à Alola? Bon, pas se taper comme ça, hein. Mais ado de Tauros, tu peux être avec Aika en un rien de temps. Je souhaite un excellent tour des îles. J'espère que ça t'apportera plein de choses, comme une merveilleuse coupe de cheveux. Je t'emmerde sur mes cheveux et mes fringues. Alors Zanpil, maintenant que Tauros est avec toi, tu vas pouvoir aisément détruire les rochers qui jalonnent la route 1. C'est un petit cadeau de ma part. Faucha, déjà? Non, c'est génial, on peut faire la chasse au shiny maintenant. Puisque tu vas avec Aika, profites-en pour faire un... Ouais. À quoi? Où ça?
Piou? Mais si tu sais, Alchi nous en a parlé tout à l'heure. Pourquoi t'irais pas au studio photo d'Alola pour une marteloser ta réussite de la grande épreuve? Purée, super idée, tu vas faire ça aussi, Chili? Hé, pourquoi pas? Pour ça, faut déjà que je batte Papé. Vous gagnez tous en puissance super vite, franchement, ça fait trop plaisir à voir. Sur ce, je file. Préparez mon fidèle yacht pour... yacht. mon fidèle yacht pour notre traversée. Lily, tu viens m'aider? Allez, c'est parti. J'ai vite fait récupérer un truc. Et voilà, l'aérozélite qui vient d'être débloqué. Alors. Bah tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Quelle belle aérozélite, elle t'appartient désormais. Regarde bien, je vais te montrer la chorégraphie. I'm a Superman. Maintenant, tu peux utiliser Piqué Supersonic. Merci, cher ami. Regardez ça. Ok, re tout le monde. Du coup, ça y est, nous sommes avec Aika au studio photo. Écoutez, je vous propose tout de suite qu'on y rentre. Je pense pas qu'on va s'y attarder vraiment. Genre, ils vont nous dire, oui, vous le faites... Ok. Vous voulez le faire? Non. Voilà. Voulez-vous essayer? Ah, déjà... Ok. Terminé. Quoi? Vous partez sans prendre une seule photo? Vous êtes sûr de vous? Pas de regret? Oui, je suis sûr. Prenez ceci, cela vous sera utile pour ranger vos futures photos. Mon album, merci. Je viendrai avec tous mes Pokémon quand on aura fait la ligue. Oui? Ok, très bien. C'était un truc tellement utile ce truc. Tellement inutile quoi. Ça me rappelle le truc sur... Diamant, perles et platine. Il y avait pareil je crois. Tu devais le dessiner, le décorer et tout. Franchement ça change... Franchement au niveau des trucs j'aurais préféré qu'ils nous rajoutent les concours. Pourquoi lui il se balade avec et nous on n'a pas notre Pokémon avec nous? Moi aussi je veux Ota avec nous. Je veux Ota. Et d'ailleurs j'ai fait une bêtise. Attendez. Hop. Carrément. Voilà, je m'en fous qu'il aille au studio, moi, Osef, hein, en vrai. Hop. Du coup. Ouais, bah oui, t'as raison, t'en auras pour 3 points. Le reste là, au pire, c'est pas très grave, hein, tu sais, on va pas t'en vouloir, mon pote. Tac. Hop. Hop. Il est où? Là. Tac. On va lui mettre. Il est où? Alors. Tac, tac, tac. Je suis désolé. Je fais ça maintenant parce que j'ai complètement zappé que je pouvais le faire. Que je devais le faire. Et du coup, ça aide pas forcément. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Vous ne verrez rien, vous ne verrez rien, je vous jure que vous ne verrez rien de toute façon. Premier juré, vous ne verrez rien. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ok. Ok. Voilà. Vous n'avez rien vu. J'ai oublié de le faire. Ado de Démenta. Bah ouais, le Démenta... Chili était vraiment ouf, t'as tout compris à la vie mon pote. Après tout, c'est votre tour des îles, faut profiter un max des Pokémon. Sentinel, j'ai une faveur de demander tout ce que tu veux. Veux-tu m'épouser? Non. Ça provient de mon petit doudou, j'aimerais le ramener d'où il vient. Comme tu le sais, j'aurais pu avoir de très gros ennuis s'il n'avait pas été là. C'est pourquoi je voudrais lui rendre l'appareil. Mais il n'étant pas dressé... Ah, tu peux compter sur moi. Ah bah écoute, rendez-vous à Kala, l'île suivante, Doudou et moi t'y attendrons. Piou. Allez. Non, j'ai pas envie d'aller à la plage Big Wave. Moi je veux aller ici.
Ah, il y a un emblème là. C'est par là qu'on y va. Voilà. Alors attendez, je vais chercher l'emblème et ensuite on y va. Et j'en ai 7 en ma position, en ma possession. Avec une super potion. Parfait. Allez go, on va monter sur le yacht. Oh non, on est obligé de le faire. Bon, très bien. Ok. Je voulais vraiment pas le faire, mais bon, tant pis. Allez, go. Let's go. Vous trouvez un morceau d'étoile, parfait. Je suis heureux. Heureux d'avoir eu ce morceau d'étoile. Quoi? Je t'ai pas déjà battu, toi? Robot petit... si, je t'ai déjà battu. Tu as trouvé le mandal, t'es au courant? Baudrive. Je sais pas s'il est au courant qu'il va se prendre une mandale. J'ai de pierre. J'ai hâte d'avoir la force Z pour Lugarok. Enfin, pour Rocabo du coup. Pour Rocabo, je pense que... Je pense pas que vous recordez ça. Pour son évolution, parce qu'il faut que ça soit 6h du matin. Entre 5h et 6h du matin, je crois. En plus, comme moi, j'ai l'heure... J'ai une heure de retard. Parce que je l'ai pas mis à jour. Oh, c'est bien une amulette du Tour des Îles que je vois là. Tu as une normazélite, une combazélite. J'en ai dit que tu as réussi l'épreuve d'Alchi et le grand... Et la grande épreuve du gros... du pec... de Pectorus, l'homme qui avait du pec. Enchanté, mon enfant. Laisse-moi me présenter. Je me nomme Raphaël Chen, je suis un spécialiste des Pokémon, et j'étudie ici les Pokémon dominants. Ah, les Pokémon dominants. Tant de mystères les entourent. Ça, c'est une version Made in China de... du professeur Chen. Je t'ai déjà demandé pourquoi ils sont si grands et d'où provient cette aura qui émane d'eux. Jamais, m'en fous. Vraiment? J'ai une proposition qui devrait tout de même piquer ta curiosité. Ramasse tous les emblèmes dominants que tu trouveras sur ton chemin. Si tu fais ça pour moi, je te donnerai un Pokémon aussi imposant qu'un dominant. Tu trouveras ces emblèmes un peu partout au cours de ton périple. Garde l'œil ouvert pour ne pas les manquer. Montre-moi 20 emblèmes des dominants et je te remettrai un Rattatak. Je compte sur toi, mon enfant. Prouve-moi que tu mérites le Motismadex que le professeur Euphob t'a remis. Tiii. Si tu me cherches, je serai à la plage Oahale, à Akala. Pour y aller, c'est tout simple. Un petit coup de surf des montagnes et tu y es. Ah bon? On peut vraiment... aller. Attendez, quoi? Ah mais vous êtes amis? Et comment? On fait notre tour des îles ensemble. Et là on va aller à Akala. Ça veut dire que vous avez vaincu notre bon doyen, bravo. Je suis sûr que Demanta sera très content de porter aussi d'aussi bons dresseurs sur son dos. Carrément, donc comment on fait? Il suffit de dire bonjour à Demanta. Allô là. Et zou Akala, nous voilà à d'autres Demanta, là là là. T'es sérieux, vraiment? Ça va vraiment se... Bon, on va vraiment aller à Akala. En démonta et plus en bateau. Tu déconnes. Mais tu déconnes. Mais tu déconnes. Mais tu déconnes. Attendez. Mais tu déconnes. Mais tu déconnes. Attendez, on va se mettre en forme cinématique. Le but de Surf des Montagnes est d'enchaîner le plus de figures possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Multipliez les acrobaties pour accumuler des points. Voici 4 leçons pour éveiller la légende de la glisse en vous. Accélérer. Ok, donc attendez, je vais vous mettre vite l'écran du bas. Des Montagnes avance automatiquement. Faites vers la gauche lorsque vous vous trouvez au sommet de la vague. Au pied de la vague, faites à nouveau pour retourner. Ok. Oh, c'est énorme.
c'est énorme les potes, c'est énorme. Bravo, vous avez terminé la leçon numéro 1. Alors attends, sauter. Continuez de faire glisser le pad circulaire vers la droite quand vous atteignez la crête pour sauter. Plus votre vitesse est élevée, plus votre saut sera haut. Très bien, on va accélérer. Bravo, vous avez terminé la leçon numéro 2. Il y a combien de leçons encore? Oula, attends. Faire des... Oh, mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais ça a l'air énorme. Oups, on s'est noyé. Attendez. Hop. 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 Et boum, monsieur. Bravo, vous avez terminé la leçon numéro 3. Oh, c'est trop bien, j'adore. Attends, ils disent quoi là? Réception sur l'eau, tombe lentement vers la vague après avoir sauté. Si des montagnes effectuent une figure quand il rentre en contact avec l'eau, il rate sa réception et boit la tasse. Ok. Allez, c'est parti les poteaux. On va prendre une grosse vague les potes. On va prendre une grosse vague. Et boum! Bravo, vous avez terminé la leçon numéro 4. La glisse n'a désormais plus de secret. Ok. Ok. C'est génial. C'est génial. J'adore. Attendez. Hop, on se met en mode cinématique. Attendez. Il y a des Pokémon et tout? Ah oui, il y a des putains de Pokémon en plus. C'est génial. C'est un truc de ouf. Ah zut, on a bu la tasse. C'est énorme, je kiffe de ouf, c'est génial. Ce mode est vraiment trop bien, genre... Il y a plein de cocons baffes et tout, c'est trop marrant. Alors là, attendez, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Non, on a pris la tasse. Oh yes, une île en vue. Aïe. Ah d'accord, on perd de la vitesse donc. Je croyais que c'était des combats et tout, mais non, pas du tout en fait. Attendez, les potes. Les potes, attendez, on peut aller... Oui, non, on peut pas aller plus loin. 3. Oh, dommage, on a encore bu la tasse. J'étais persuadé qu'on pouvait le caler. Attendez, je me remets en caméra. Mais ce jeu, les potes, c'est juste génial, par contre. C'est insane comment c'est trop bien. C'est insane comment c'est bien. Alors, vague normale. Oh là là, les gars. Putain, on a fait des points, les potes. Quoi ? 11 000 points. Je sais pas si c'est bien,
Mais ce jeu est trop bien. En vrai, c'est trop bien pour aller d'une île en île. C'est génial. Akala. Nice. Donc nous sommes à Akala. Deuxième île, les potes. Écoutez. Plage d'Ohale. Et voilà, la traversée à pied sec. Enfin non, j'ai sauté les pieds joints dans l'eau là. Bref, Akala, nous voilà. C'était trop bien le surf des mantas. Tu crois que le prof et Lily sont déjà là? J'espère que leur bateau n'a pas coulé. Allons faire un tour pour voir si on les trouve. C'était insane. Franchement, j'ai grave kiffé. J'ai vu comment tu te jouais de la gravité. Chapeau l'artiste. Ton score est de 11 500 points. Et tu es numéro 2 du spot de la Big Wave. Démanta et toi, vous êtes les stars de la plage. Voici les points de coolitude. C'est quoi les points de coolitude? N'oublie jamais, laisse-toi porter par la vague. C'est elle qui te donne la vibe. Waouh. Motis magnifique, tu es arrivé à Akala. Qui dit nouvelle île dit nouveau Pokédex deal. Eh bien écoutez les petits potes, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, c'était génial. Sur ce, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Peace, à la prochaine.